Bonsoir. Est-ce que le son il est bon? Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si le son il est bon. Juste un petit instant, j'essaie de faire 2-3 petits réglages. Hop. Il y a un écho. Ok. Et maintenant, l'écho est parti. Est-ce que l'écho est parti ou c'est tout bon? Est-ce que l'écho est parti ou c'est tout bon? Est-ce que l'écho est parti ou c'est tout bon? Est-ce que l'écho est parti ou c'est tout bon? Attendez, non, moi j'ai un écho, juste un petit instant, parce que moi j'ai un écho. Toc, toc. Attendez, je vais essayer de voir, peut-être c'est ça. En fait, juste un petit instant. Un, deux, trois. Est-ce que l'écho est parti ou pas? Ok, super. Bon. En fait, j'utilise un logiciel de streaming. J'utilise un logiciel de streaming, comme ça je vais pouvoir partager aussi l'écran, des images et du contenu. Et du coup voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc bonsoir tout le monde, merci d'être là. Bonsoir à Bruno, à Apprentissage, Frédéric, Dina et Marielle, les modérateurs de ce soir. Il y a un léger écho encore? Ok, super, non, plus d'écho. Nickel, et ben c'est parti. C'est parti. Donc, on va commencer un petit peu les questions et les réponses suite au film. Donc, dans un premier temps, j'ai envisagé de faire un livre concernant le film et hop, ah, hop, c'est hop. Donc voilà. Donc ça serait ça, le livre, avec le contenu, le script du film, et avec le Blu-ray, un DVD qui sera le film en Full HD, en fait en très haute définition, et avec des bonus dedans. Donc ça va être pour bientôt. Voilà, donc je pense qu'il y aura des intéressés. Ensuite,
Ensuite, on va passer maintenant à quelques explications concernant le film et ensuite des questions et des réponses sur le sujet. Donc, j'ai lu quasiment toutes les commentaires dans le film. Le film, il a fait pour l'instant, il a fait 1 400 000 vues. Donc c'est bien. Je voudrais aussi qu'il y ait un petit peu plus de, on va dire de participation, mais bon, c'est comme ça, de participation, je dirais financière, parce que là, le compte, il est, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Donc, je remets ici le lien pour ceux qui souhaitent faire les donations. Donc, ça serait sur Litchi et sur GoFundMe pour faire la version en anglais, pour soutenir le film et passer à la version anglaise ou d'autres langues. Voilà. Tac, tac. Ensuite, je reviens ici à quelques. On va commencer avec quelques explications sur le film. Il y a tout le temps une question qui revient. Le film, il est financé par les francs-maçons, par Illuminati, par les Égyptiens, je ne sais pas, etc. Donc ici, je vais faire 2-3 explications pour le logo. Donc le film, il démarre avec, donc ça, je dirais, c'est le Big Bang, le début du film. À partir de rien, donc il y a la lumière qui vient. Ensuite, hop. Ensuite, il y a le Big Bang dans cette matrice de l'univers, dans cette matrice dans cette création de l'univers. On voit que l'architecture de l'univers, elle va se créer avec les constantes pi et phi. Ok. Et ces deux constantes, elles vont être reliées ensemble avec la coudée royale, qu'elle est invisible dans ma vision, et tout ceci va être intégré dans la pyramide de Khéops. Ok. Donc encore une fois, je dis et je le dis, ce film, il n'est pas financé par qui que ce soit, par aucune structure. Pas d'Albanais, pas d'Albanie, les Égyptiens, elle n'est pas financée par les Africains non plus, pas Illuminati, pas de francs-maçons ou qui que ce soit. Ce film est, il est financé uniquement par moi, et je le dis ça une fois pour toutes, uniquement par mes bras et la sueur de mon front, comme on dit. Voilà, concernant ce sujet-là. Donc, alors, il y a des questions qui arrivent, donc je vais continuer un petit peu sur le film et ensuite je vais reprendre les questions après, petit à petit. Donc, ensuite, si vous voulez, dans ce film, pour comprendre encore une fois que ce film, il vient uniquement de moi, c'est que les sujets, si ça serait quelqu'un qu'on lui a soufflé les informations, les contenus, quand il serait en face d'un archéologue, d'un historien, d'un scientifique, un physicien, un mathématicien,
il n'aurait pas à dire, en fait, il n'aurait pas à tenir le discours. Ça serait comme quelqu'un qui va copier le texte, comme en classe, qui va copier le texte, et ensuite, quand on lui pose les questions, il va pas savoir répondre, et donc du coup, il va être coincé, et donc il pourra pas expliquer les choses. Donc moi, si vous voulez, dans le film, je connais les sujets très bien, et je réponds aux questions, donc je ne suis pas coincé sur les questions et les sujets, quoi. Donc voilà, je réponds, j'ai pas un niveau un haut niveau scientifique de maths, mais j'ai un bon niveau en fait concernant ce sujet-là, l'Égypte, etc. Les maths, la géométrie et la physique, j'ai un bon niveau, et donc je sais ce que je raconte. Okay? Donc je connais le sujet, je sais ce que je raconte. Donc voilà, je ne suis pas coincé. Okay? On va y revenir. Il y a beaucoup de questions qui viennent sur les lentilles, sur les roches, etc., etc. On va y venir. Ça va être, je dirais, ça va être une soirée passionnante. Et on va y venir petit à petit. Donc j'ai préparé une sorte de trame, sujet par sujet. On ira. J'ai lu souvent que dans les commentaires que moi j'apporte des affirmations. Et je ne dis pas hypothèse, hein. Donc c'est comme si dans le film je dis c'est passé comme ça, et je ne dis pas que il se peut ou etc. Alors il faut comprendre une chose. Par exemple, quand vous prenez un livre d'histoire concernant le passé, l'Égypte ou la Grèce ou ce que vous voulez, un livre d'histoire, il est écrit par les historiens. Okay, par des archéologues, etc. Eux aussi, dans le contenu, ils vont venir avec des hypothèses. D'accord? Mais quand on lit un livre d'histoire, on lit que voilà, les Égyptiens, ils faisaient ci, ils faisaient ça, etc. Et donc, ils vont pas, eux, les Égyptiens et les égyptologues, ils n'ont pas remonté dans le temps pour affirmer que c'est comme ça et c'est passé comme ça. Donc eux aussi, ils sont dans une sorte d'hypothèse, ok? Ils sont dans une sorte d'hypothèse, ok? Mais on va pas dire dans les livres, cher lecteur, ceci est une hypothèse, ce n'est pas une affirmation, mais c'est une hypothèse. Donc pareil, le film, moi je ne suis pas remonté dans le temps avec une machine, et j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai filmé, et je reviens, j'ai tout noté, et je viens ici, et je vous dis, oui, cher spectateur, oui, c'est passé comme ça. Donc, pareil, le film, c'est, si on va pas jouer avec le vocabulaire, mais le film, c'est quelque sorte, c'est une sorte d'hypothèse. Après, il y a certains, par exemple, il y a des mesures, certaines choses, où on rentre dans les maths et dans la physique, etc., où là, il n'y a plus d'hypothèse. Hein. Donc une mesure, quand on fait une mesure, c'est une mesure, c'est fini. Donc là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hypothèse, etc. Après, derrière cette mesure, il y a une réflexion scientifique, une réflexion logique. Okay? Moi, je suis au même stade en termes de contenu. Au même stade que les égyptologues. Donc, hypothèse ou affirmation, donc c'est juste un jeu de vocabulaire. Hein, okay? Donc, parce que pareil, les Égyptiens, les égyptologues et les historiens, ils n'ont pas remonté dans le temps pour nous dire, voilà, c'est passé comme ça. Et puis, on ne va pas mettre dans le film, ici, ça, c'est une hypothèse, ici, c'est une affirmation, on ne va pas mettre le texte comme ça. Donc, ok?
Donc oui, quelque part, le film, c'est une sorte d'hypothèse. Après, des fois, concernant les mesures, etc., là, c'est plus de l'hypothèse, mais c'est des constatations. C'est du constat pur et simple. Donc, voilà, concernant ce sujet-là. Ensuite, il y a un sujet important que j'ai lu souvent, où on parle, en fait, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, que le film, ça serait une sorte d'afrocentriste. Donc on parle du Black Power, on parle de l'histoire falsifiée, des mensonges, des vérités cachées. Des fois j'ai lu des commentaires, complexité par la peau blanche, un film de propagande noire, et ainsi de suite, pas mal de commentaires comme ça. Donc, alors là, je vais montrer quelque chose. Hop, ici, hop, que j'ai préparé quelques. Toc, toc, toc. Alors. Hop. Donc, si on regarde ici cette image-là, ok. Donc ça c'est un poisson, c'est le thon. Si on regarde bien ce poisson, donc l'eau de ce poisson, il est noir et le bas de ce poisson, il est blanc. Des fois un petit peu moins blanc, etc. Donc ça vient à cause de la mélanine. Donc au haut du dos du poisson, c'est noir, c'est la mélanine qu'elle est. Le pigment qu'il va colorier le dos du poisson et ça va en fait voilà c'est fait comme ça par Dieu par la nature l'architecte ce que vous voulez et du coup ça va le protéger contre le soleil et en bas du dos puisqu'il n'y a plus de soleil en haut donc là ça va rester blanc et donc ici. Ok, on voit que, et c'est ce que j'ai mis aussi dans le film, ok, hop, où est-ce qu'il est? Et donc, on voit ici que dans ce poisson, dans ce seul unique corps du poisson, on a le noir africain et on a aussi le blanc européen, ok? On a aussi les métis, on a aussi les Arabes, les Asiatiques. Donc, c'est pour dire que dans un seul corps, okay, on est tous unis dans un seul corps. Okay. Et du coup, quand on voit ça, cette image-là du poisson, on comprend que nous, les humains, on n'est pas différents. Ok? On n'est pas différents. On est l'image de ce poisson, c'est vraiment la création, c'est l'architecte de l'univers, Dieu, qu'il a fait la nature comme ça. Okay? Et donc, à mon sens, je ne vois pas ici de. Parce que quand on dit afrocentriste, ça veut dire que ce mot, en fait, ce que j'aime pas du tout ce mot, parce que ça veut dire c'est un mot qui va centrer, ça c'est une dérive, c'est un mot qui vient de centrer l'histoire de l'Afrique. Parce que si on dit afrocentriste, on va dire aussi eurocentriste, on va dire asiocentriste, américocentriste, australianocentriste, et on n'en finit pas. Donc, à mon sens, l'histoire, il n'y a pas de centre, d'accord? Il n'y a pas de centre. L'histoire, c'est une histoire en commun,
Okay. C'est une histoire en commun. C'est une histoire qui a. Hop, je vais revenir là un petit peu. C'est une histoire en commun. L'histoire, elle est mixte, d'accord? Donc il y a un fil. Il y a ensuite, elle va se mélanger. Ok, exactement comme ce poisson. Donc, à mon sens, l'humanité, il n'est pas divisible, mais il est un seul, il est uni. D'accord? Voilà, c'est l'exemple de ce poisson-là. Et d'ailleurs, des exemples comme celui-là, il y en a des milliers, il y en a des tonnes et des tonnes, hein. Donc c'est tout simplement une question de pigmentation de la peau. Ok? Il n'y a pas une espèce plus intelligente que l'autre. Une espèce, je veux dire, une race humaine plus intelligente que l'autre. Nous sommes tous pareils et nous sommes tous unis, comme l'exemple de ce poisson. Hein. Donc quand quelqu'un, en fait, quand on n'aime pas le blanc ou quand on n'aime pas le noir, ça veut dire que voilà, on n'aime pas la nature, on n'aime pas le poisson, on n'aime pas la création, on n'aime pas la création de l'univers, on n'aime pas la création du grand architecte, tout simplement. On n'aime pas ce poisson. Alors donc il faut s'y prendre à l'architecte, tout simplement. L'histoire a commencé en Égypte. Hein, l'histoire de l'humanité a commencé en Égypte. Ensuite, cette histoire a été développée, a été propagée dans le monde, a été reprise par les Grecs, elle a été développée, okay, par les Grecs. Ici, par exemple, par les Grecs. Bon, je vais revenir sur les Grecs. Ensuite, elle a été prise par les Romains, par les Français, les Anglais, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une histoire centrée sur quelque chose, sur une entité, ou centrée ci, ou centrée là. Donc, il y a une histoire en commun qui va se propager. Okay? Dans ce film, en fait, quand j'ai fait le film, j'ai vu à quoi ça ressemblait le film. Hein, c'est le film que vous avez vu. Et je me suis dit, en fait, les questions que vous avez posées, hein, il y a 10 000 commentaires et des questions partout. Et ces questions-là, je me suis posé bien, bien, bien avant vous. Donc on va me dire l'histoire, propagande noire, anti blanc, je ne sais pas quoi, etc. Des mensonges falsifiés, etc. Donc c'est toutes ces questions-là que je me suis posé. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas que je me suis dit, mais je suis fait comme ça. Moi, je vais rester ni blanc, ni noir, ni métisse, ni quoi que ce soit. Je vais rester transparent comme l'eau, comme cette eau-là. Donc, je vais rester sans couleur. Et je vais donner à chacun, selon ma propre vision, sa mérite, sa contribution. C'est pas que j'aime celui-là et je vais donner celui-là plus qu'il mérite. Hein. Moi, je suis d'origine albanaise. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les Albanais. Voilà, les Albanais. Donc on est quasiment, ça c'est des Albanais, okay. On est quasiment, en fait on a resté pendant 2000 ans, une population 99% homogène. On n'a pas été mélangé, hein. En fait on n'a pas fait des guerres d'invasion, mais on a fait pendant 2000 ans que des guerres de protection. Ok? Et donc ces questions-là, moi je me suis posé. Donc, je ne vais pas faire ici. Ok, je vais rester neutre.
100 couleurs pour donner à chacun en fait la mérite dans l'histoire. En fait, c'est l'histoire selon ma propre vision, hein. Bien entendu, il y a des historiens ou des archéologues qui ne sont pas d'accord peut-être sur les sujets. Et donc, comme je l'ai dit, pardon, l'histoire, elle n'est pas falsifiée. L'histoire n'est pas, je dirais pas, en fait, l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas, il n'y a pas de mensonge, ok? Il n'y a pas de mensonge. Parce que quand on dit falsifié, ça veut dire faux. Ça veut dire faussaire. Moi, ce film, je l'ai fait avec des documents sur Internet. D'accord? Et si j'aurais pas trouvé ces documents, en fait, comment dire, ces documents, c'est des documents faits, c'est des documents d'histoire. Ok? Et donc, si l'histoire, ça serait fausse. Donc le film, il serait faux aussi, hein, parce que moi, j'ai rien inventé. Okay? J'ai rien inventé dans ce film. J'ai repris des documents sur Internet, est-ce qu'on va y revenir? Des documents d'archéologues, et je les ai rassemblés, et donc ça m'a donné une autre vision. Okay? Donc c'est une autre vision, et il n'y a pas de... C'est pas falsifié, il n'y a pas de falsification. Okay? Il n'y a pas du tout de falsification. Il n'y a pas de mensonge. Okay. Le film, moi, je suis en France. Ok. Je suis en France, donc il y a une liberté de parole. Ok. Non, peut-être elle n'est pas super. Elle est pas. Il y a une très bonne liberté de parole. Mais si vous voulez. Il n'y a pas de mensonge, ok? Parce que s'il y aurait des mensonges, on aurait lu dans les livres d'autres choses, quoi. On aurait lu, j'aurais amené d'autres documents, ok? Tous les documents, et ce que je vais montrer aussi plus tard, c'est des sources d'archéologues, et donc des sources d'historiens, donc. Voilà, l'histoire que j'ai apportée ici, c'est une histoire faite avec des documents qu'on trouve sur Internet, des documents officiels, tout simplement. Voilà, ça. Alors, pourquoi cette histoire-là, en fait, pourquoi en fait on voit pas dans les livres cette histoire de l'Égypte? Ça, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Peut-être, à mon sens, peut-être les archéologues, ils sont, alors, au début, ils sont pris. Il n'y a pas eu de scientifique au début. Donc, on est entré dans une sorte d'hypothèse. Et du coup, voilà, ça a resté comme ça. Et puis après, le mystère de l'Égypte, ça fait. Il y a aussi une question de business, hein, peut-être. Et du coup, ça a resté comme ça. Donc, voilà. Donc il est très très important qu'on comprenne qu'il n'y a pas d'histoire falsifiée, il y a une histoire erronée. Hein. Ce que je dis aussi dans le début, je pense que l'histoire elle est erronée, que à mon sens, voilà, les archéologues, les historiens, ils se sont dit on s'en fiche, hein, c'est comme ça, et puis ils sont pas trop se casser la tête. Pour rassembler les informations, donner des hypothèses. Après, l'histoire, les connexions entre l'Afrique et l'Amérique,
Ça date depuis des lustres, hein, des hypothèses comme ça. Et on va y revenir. Et donc, voilà, ce qui nous ramène maintenant à l'histoire de l'esclavagisme. Et hop, ici, je vais ramener deux, trois petits documents. Donc, voilà, j'ai préparé pas mal de documents. Alors, concernant l'histoire des francs-maçons, alors, c'était un petit peu. Je vais mettre aussi un petit peu dans le film quelques passages pour expliquer un petit peu. Hop. Alors, je commence. Début ça du film. Donc je suis entré dans l'histoire de l'Égypte, le béton, le géopolymère de Davidovitz, donc béton égyptien et compagnie. Et donc au fil, donc ensuite le béton romain, ensuite ça arrive avec les Templiers. Donc à mon sens, les Templiers, ils étaient en fait. On a vu des dizaines, des centaines de films sur les Templiers. C'était une sorte de guerre avec l'Église pour. En fait, je pense, hein, c'est une sorte de. Avec l'Église pour contrôler les passages. Les passages et contrôler aussi le Moyen-Orient. De Moyen-Orient. Et donc, apparemment, ça n'a pas plu à l'Église. Mais moi, je pense aussi qu'ils avaient aussi des connaissances sur l'architecture et le béton, la construction. Parce que c'était aussi une sorte de business assez important. Et donc, je commence à voir aussi, à relier après, maçon, franc-maçon, donc. Les maçons, donc tout le temps, ce mot, ça revenait. Et du coup, je commence à regarder, à observer un petit peu les églises, et je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois que, par exemple, dans beaucoup d'églises, donc là, par exemple, cette construction-là, dans beaucoup d'églises, on a vu je vois des signes des francs-maçons. Okay? Et du coup, je me suis dit, les francs-maçons, c'est pas des tailleurs de pierre, mais c'est bien une société, une structure d'architectes, une structure de mathématiciens, des chimistes, des spécialistes du béton. Et du coup, parce que par exemple, où est-ce que j'ai? Où est-ce que j'ai mis? Par exemple, il y a des églises où on voit partout. Ici, hop. Où on voit partout des signes. Où est-ce que je l'ai laissé? Tac, tac, tac. Attendez juste un petit instant que je le trouve. J'avais fait un raccourci vidéo. Ouais. Voilà, par exemple, cette vidéo-là. Donc ça c'est l'église à l'Hôtel Dieu. Et donc voilà, on voit par exemple des signes, des symboles francs-maçons laissés par les francs-maçons partout dans leur construction. Et donc voilà, je me suis dit que ça, il y en a dans beaucoup de constructions. Hein. Et donc voilà, je me suis dit que
Hop, les francs-maçons, c'est pas trop ce qu'on dit sur eux, à mon sens. C'est des architectes. C'est des architectes qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisé toutes ces constructions avec beaucoup d'amour. Okay? Parce que quand vous faites une église, quand vous faites une belle église, une cathédrale, c'est un travail artistique, c'est un travail d'art, okay? C'est un travail que vous faites avec de l'amour. C'est comme de la peinture, d'ailleurs même les fresques. Donc c'est un travail fait avec beaucoup de savoir et beaucoup d'amour. C'est pas un travail fait par des fidèles de l'église ou donc un travail fait à l'arrache. Donc là, c'est vraiment un travail bien fait et fait avec bien beaucoup d'amour. Voilà concernant celui-là. Et ensuite, on arrive vers les années. Donc, hop, voilà, je vais partager cet écran-là. On arrive vers les années 1790, 1800, et donc là, faut comprendre une chose, c'est que parce que j'ai lu beaucoup de commentaires, oui, les francs-maçons ont donné la liberté aux noirs. Non, c'est pas que les francs-maçons ou d'autres, hein, ou les Français ou les Anglais, la liberté, ça se donne pas. La liberté, ça ne se donne pas. La liberté, c'est pas quelque chose que je te prends et je te redonne. En fait, je vois des documents en fait sur Wikipédia. Ça, en fait, ça a commencé avec les Lumières et une partie de la bourgeoisie, okay, que suite au changement de régime. Là, il commence à y avoir une autre dimension, une autre vue, okay, une nouvelle ère de regarder l'autre. Ça commence avec tac tac tac. Alors ça commence avec Montesquieu. Montesquieu qu'il était. Où est-ce que je l'ai là? Bon, hop. Donc ça commence avec Montesquieu vers 1750, hein, qu'il était initié de la franc-maçonnerie. Montesquieu, c'est ce qu'on lit aussi sur Wikipédia, c'est l'un des premiers philosophes anti-esclavagistes. C'est l'un des premiers. Ensuite, il y a Victor Schoelcher, donc c'est. Hop, attendez, c'est. Voilà. Donc Victor Schoelcher, je le prononce un peu mal. Lui, c'était, selon Wikipédia, c'était un franc-maçon. Et lui, c'est l'un des premiers qui, en fait, qui a contribué. Qui a contribué. Hop, attendez, hop, je vais passer ici. C'est l'un des premiers qui a contribué pour l'abolition de l'esclavagisme. Et quand même, il faut comprendre que même si lui, je pense qu'il n'était pas tout seul, il y avait beaucoup d'autres qui pensaient comme lui. Et donc, du coup, les francs-maçons, ils commencent à. En fait, il y avait des échos. Attendez, hop, où est-ce que je l'ai mis là? Il y avait des échos qui venaient. Hop, je vais essayer.
Il y avait, hop, je sentais descendre, voilà. Il y avait des échos qui venaient de loin, des nuits des temps, l'Égypte, l'Égypte noire, etc. Et quand je vois, par exemple, il y a des loges, beaucoup de loges maçonniques, je vois des symboles égyptiens. Okay, des symboles égyptiens. Voilà, là partout, des symboles égyptiens. Ok, la loge maçonnique en Australie. Et donc là, du coup, je commence à comprendre que voilà, les francs-maçons, ils ont, avec ce genre de décor, avec ça, ils ont honoré quelque part les Égyptiens. Ils ont honoré, hein. Ils ont, comme les premiers architectes. Et du coup, ils ont compris que le noir, il n'est pas un sous-homme, ok? Il n'est pas ce qu'on a lui fait faire pendant des siècles. Ils ont compris que le noir, c'est un humain comme tout le monde, que les noirs, ils appartiennent, ont le droit d'être comme tout le monde, ok? Que les Noirs ont, nous ont apporté, ils étaient les premiers alchimistes, les premiers chimistes, les premiers scientifiques. Okay? Et du coup, de là, ça sort une réflexion humaniste, ça sort une réflexion humaniste que, qu'il fallait faire vraiment quelque chose, quoi. Il fallait vraiment faire quelque chose parce que, on était dans, on était un petit peu dans la mauvaise direction. Et du coup, là, ça va commencer à travailler parce que voilà, il faut changer aussi les mentalités du public. Et ensemble avec les Lumières, donc ils vont créer voilà, Schlossler va proposer un décret de l'abolition de l'esclavage en 1848. Ça, tout ça, c'est sur Internet, hein. Et il va proposer ça à l'Assemblée. Il va à l'Assemblée. Il y a d'autres aussi, les Lumières, beaucoup de Lumières, des philosophes qui vont travailler, des philosophes et d'autres figures. Par exemple, il y a Mirabeau, Brissot, Étienne Clavier, et Nicolas de Condorcet, qui vont créer la Société des Amis des Noirs. Donc tout ça, c'est des documents que vous trouvez sur Internet. Donc ils vont créer ça en 1788, 1800. Donc ils vont créer la Société des Noirs. Donc, tac tac, où est-ce que c'est? Tac tac tac. Voilà. La Société des Amis des Noirs. Ok. Pour la Société des Amis des Noirs. Tout ça c'est sur Wikipédia. Donc on voit que les Lumières et les francs-maçons, ils commencent à voir les choses. En fait, ils veulent participer, ils veulent changer les choses. Et la bourgeoisie, ils veulent changer les choses. Voilà, il y a un travail qui doit être fait. Et donc, du coup, tous ensemble, on va arriver à ça, que quasi, je vais éloigner un petit peu ça, et que quasi simultanément en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis, on va abolir l'esclavage. Et donc, on va abolir l'esclavage. Donc ça, ce n'est pas du tout un hasard, c'est qu'il y a vraiment une réflexion humaniste. Okay. Donc tous ensemble, les francs-maçons, les Lumières,
la bourgeoisie élevée qui commence à voir les choses différemment. Et donc voilà, simultanément, boum boum boum, partout, on va abolir l'esclavage. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est aussi très important. Qu'est-ce que c'est l'abolition de l'esclavage? Parce que voilà, abolition, une feuille, bon, bref, signé. En fait, l'abolition, abolir, en fait, cet acte-là, si on regarde au fond des choses, si on regarde vraiment au fond des choses, c'est un acte de paix. Un acte de paix entre les blancs et les noirs. C'est un acte, vraiment un acte de paix. Parce que pour maintenir une entité, une communauté en esclavage, il faut des soldats, il faut du monde, etc. Et donc s'il y a une révolte, donc faut aller contre la révolte, faut aller à la guerre. Et donc en abolition, en faisant cet acte-là, c'est tout simplement un acte de paix des blancs envers les noirs, pour dire les choses tout au fond telles qu'elles sont. Donc l'abolition, c'est un pur simple, c'est la paix. Donc parce que pour maintenir un peuple, une entité, les noirs en esclavage, il vous faut de l'armée, hein, si jamais il y a une révolte, il faut de l'armée. Là, il y a aussi une correction, c'est que Napoléon, par exemple, on lit que Napoléon, il a rétabli, il a aboli l'esclavage et il a rétabli. Mais si on cherche bien, en fait, Napoléon, il n'a pas rétabli l'esclavage, il n'a pas aboli. En fait, il l'a maintenu. Donc la différence est de taille. Hein. Il a maintenu. C'est pas qu'il a enlevé et il a ramené l'esclavage, mais il l'a maintenu. Et on va y venir plus tard, en 1815, qu'on va abolir complètement. Il y a aussi la révolte de Haïti, que ça a donné, c'est un signe que, bon, faut changer les choses, quoi. Donc voilà concernant là, cette partie-là. Après, peut-être des historiens qui sont spécialisés dans la franc-maçonnerie, peut-être il y a d'autres choses. En fait, il y a d'autres choses à dire, je ne sais pas. Mais ça, c'est ma réflexion. Ça, c'est ma réflexion avec les documents, ce que je vois sur Internet, ce que j'ai lu et les liens que j'ai faits. Les liens que j'ai faits. Donc, pareil, par exemple, vous avez un noir qui s'appelle Félix Eboué. Okay. Donc, lui, c'était un franc-maçon. Donc, bien un noir. Voilà, ici, on a les Lumières. Okay. Une bonne partie des Lumières, ils commencent. En fait, ils ont une vision complètement différente. Ils ont une vision vraiment humaniste. Après ça, il y a qu'est-ce qu'il y a? Abolition. Donc il y a la société Les Amis des Noirs. Et ensuite il y a une autre société. Une autre société, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, une autre société pour l'abolition de l'esclavage. Donc, une société, la société, donc c'est la société, il s'appelait SBN, tac, tac, tac. La société pour l'abolition de l'esclavage. Bon, bref, je le trouve pas. C'était des amis des Noirs, ça on a vu.
Voilà, la Société pour l'abolition de l'esclavage qui est fondée en 1834. Il y a aussi la Société de la morale chrétienne, que voilà, l'Église également, elle commence à se réformer et à changer vision des choses. Il y a aussi un point très important aussi à souligner concernant aussi l'esclavage. Ça, c'est un point très très important. Si vous voulez, l'esclavage, et là, des historiens sur l'esclavage peuvent se rejoindre à ça. En fait, il me semble, j'ai lu ça un peu partout. L'esclavage, c'est pas aussi quelque chose qui se fait, qui s'est fait uniquement par les blancs. Que les blancs, eux, c'est les méchants. Et donc, l'esclavage a été organisé, orchestré uniquement par les blancs. En fait, si vous voulez, si les esclavagistes, en fait, voulaient capturer des noirs, il fallait qu'ils aillent les chercher à l'intérieur de la jungle, à l'intérieur des terres. Et donc, à l'intérieur des terres, vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont, les villages. Okay? Vous ne savez pas. Il vous faut bien une indique ou quelqu'un qui vous montre. Et bien ça, qui savait ça, il y avait aussi des collaborateurs noirs qui montraient où était le village et ils allaient capturer les villageois, les villageois et les mettre en esclaves. Et donc ça, des fois, l'histoire ne le dit pas, okay, qu'il y avait aussi des collaborateurs. Des cas comme ça, des collaborateurs dans l'histoire, il y en a des tonnes et des tonnes. En Amérique, entre les Blancs et les Indiens en Amérique, il y avait également une histoire, il y avait des collaborateurs. Hein. Vous avez deux tribus qui sont en guerre entre eux. Et ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montraient où était le tribu et les colonnes, en fait, ils allaient. Et ils massacraient, en fait, ou ils rendaient en esclaves les autres. Où ils massacraient, dans le cas par exemple des Indiens, où ils massacraient les Indiens. Donc c'était bien, c'était pas fait uniquement par les Blancs. Il y a aussi une sorte de complice. Okay? Il y a aussi des collaborateurs, comme partout dans le monde, hein, comme partout dans toutes les guerres. Vous avez des collaborateurs, même dans mon pays, hein, en fait, partout, quand il y a une guerre, il y a ceux qui se battent contre eux et ceux qui vont collaborer, quoi. Donc, voilà, concernant ce sujet-là. Donc, comme je l'ai dit, comme une sorte de conclusion, l'histoire, elle n'est pas blanc ou noir, gentil, méchant. L'histoire, elle est pleine de couleurs. Elle est très complexe. Okay? L'histoire, elle est un peu mélange. Hein? Elle est des fois blanc, rouge, vert. L'histoire, elle est exactement comme l'homme, comme l'humain lui-même. Hein? Depuis notre naissance, on passe en zigzag, on devient blanc, rouge, noir, vert. Et donc, à différents stades on passe par différents stades de changement de personne et de caractère. Et ben, l'histoire de l'humanité, elle est en fonction de ça. Elle est en fonction de l'humain. Elle passe par différents stades de la complexité humaine. Tac, tac, tac. Ensuite, donc, pour dire comme une sorte
une sorte de simplicité de l'histoire. Si on a ce téléphone-là, voilà, par exemple celui-là, donc ce téléphone, il est fait avec les découvertes égyptiennes, donc le maître, la chimie, la physique, la géométrie, les maths. Et donc, dans ce téléphone, il a une mérite, il a une mérite qu'il ait fait 20% ou 30%, une partie africaine, égyptienne, une partie par les Arabes, les Asiatiques, une partie par les Européens, ok? Donc, si on a ce téléphone-là, on a toute l'humanité. Okay, on a toute l'humanité, on a toutes les races, okay, toutes les races ensemble qu'ils ont donné, on a transmis, ensuite on a développé. Donc l'histoire elle est 20% là ou 20% là, 20% là ou 30, ou 30. Donc voilà, c'est pas l'histoire elle est blanche ou elle est noire, l'histoire elle est multicolore. Elle est complètement de toutes les couleurs, elle est un seul uni, tout simplement. Okay. Voilà, concernant cette question-là. Donc, la science qu'on a aujourd'hui, c'est un mélange de tout, de toutes les savoirs. Tac, tac, tac. Et oui, ça c'est aussi un point très important, ce qui nous ramène aussi à l'Égypte d'aujourd'hui. Donc l'Égypte d'aujourd'hui, attendez juste un petit instant. L'Égypte d'aujourd'hui, il est, comment dire, il a participé à une aventure extraordinaire. Okay. Donc l'Égypte, par exemple, si vous voulez, il a protégé cette culture. Okay, cette culture, il a pas seulement protégé, okay, mais il a entretenu. Okay. Il a entretenu, et même sachant que l'Égypte c'est un pays moins développé que l'Europe, il y a pas mal de difficultés, vous ne pouvez pas, par exemple, corrompre en Égypte. Vous voyez? Même s'il est pauvre, relativement, je veux dire. On ne peut pas corrompre en Égypte, tiens, je te donne 1 million et donne-moi cette statue. Okay? Donc, il faut comprendre que aussi l'Égypte, que une partie de la population, elle est mélangée, il y a des venus, des Arabes, etc. Il a protégé cette culture et c'est un travail extraordinaire qu'il a fait. Il a protégé, il a entretenu, il a entretenu. Et d'ailleurs, il y a un grand musée, un musée extraordinaire qui va s'ouvrir en 2020, le grand musée d'Égypte. Pas seulement, mais il a investi énormément, énormément. Et du coup, c'est une grande mérite de l'Égypte, puisque maintenant c'est leur patrimoine, c'est leur patrimoine. Là, on voit qu'il y a un travail extraordinaire de protéger ces vestiges. Moi, par exemple, si vous voulez, que je viens d'Albanie, que je suis venu en 1989 en France, j'ai aucun, en fait, au début, j'avais aucun lien avec la France. Okay. Si on regarde ici, si on regarde le moment où je suis arrivé, aucun lien avec la France. Avec la Tour Eiffel, le patrimoine français, aucun. Okay.
Sauf quand on vit ici, quand on va fonder une famille, etc., on commence à s'y attacher à ce pays, ok? Et on s'y attache, et du coup, ça devient votre pays, ça devient aussi mon pays. Et la beauté de la chose, c'est que je suis une sorte de pont entre l'Albanie et la France, hein, l'Albanie-Kosovo et la France. Je suis une sorte de pont. Et quand il s'agit de protéger ou d'entretenir le patrimoine, eh ben, c'est je vis ici, dans ce pays, et c'est aussi mon devoir d'entretenir et de protéger ce patrimoine. C'est mon pays. Et donc, si jamais il y a un problème pour la Tour Eiffel ou Panthéon, ben ça fait partie de mon patrimoine. Même si la moitié de ma vie elle est passée ici, je vis, j'ai la maison ici, je vis dans ce pays. Et donc, c'est très important. Donc, là où vous vivez, vous êtes obligé de l'entretenir et de le protéger. Okay. Et ben c'est exactement la même chose aux Égyptiens. Au fil des siècles et des millénaires, okay, là c'est leur patrimoine, c'est leur culture, et il faut le protéger absolument et l'entretenir, mais vraiment absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'aide des Américains, des Français, de tous les pays qu'ils ont contribué. Avec l'Égypte pour entretenir ça. Et du coup, voilà, on a cette merveilleuse histoire. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses à ajuster. Que les égyptologues, ils ne parlent pas d'une civilisation extraterrestre perdue, inconnue ou des aliens. Hein, okay? Donc, c'est bien des humains. Voilà, concernant cette partie. D'ailleurs, concernant le tourisme en Égypte, j'ai bien réfléchi. Il y a des idées de projets. Par exemple, aujourd'hui, quand on y va en Égypte, bon, qu'est-ce qui se passe? On va se balader en milieu des ruines. Au bout d'une heure, bon, ça va, on va bouger à droite, à gauche, et puis on va remonter sur le car, et puis on va partir. Donc, ça, c'est le tourisme aujourd'hui. Okay? On va visiter deux, trois musées. Là, concernant l'Égypte, on peut faire beaucoup mieux. J'ai des idées assez extraordinaires pour faire vraiment un tourisme vraiment 2.0. Mais des idées extraordinaires pour faire un tourisme excellent. J'ai des idées assez chouettes là-dessus. Comment faire et quoi faire, mais bon, voilà, on va y revenir. Des idées de projet assez extraordinaires, mais plus tard peut-être. Alors, tac tac tac. Ensuite, alors, on va passer maintenant à quelques question. À quelques questions techniques. Alors, deux petites secondes. Alors, la numérotation concernant une deux petites secondes. Alors, donc, hop, je vais partager l'écran là. Hop. Donc ici c'est un document de Geneviève Guittel. Donc c'est la numérotation. Donc les Égyptiens, ils avaient bien une numérotation par 10. Okay.
les Aztèques par 20 et les Babyloniens par les Sumériens par 60. Et il faut comprendre que toutes les trois systèmes, c'est des systèmes basés sur la numérotation par 10. Okay. Donc non, il n'y en avait pas de numérotation par 12, à ce qu'ils disent Planète Rao, il n'y a pas de numérotation par 12 en Égypte, mais bien numérotation par 10, comme les 10 doigts des mains. Donc, ensuite, donc ça c'est un document que vous pouvez télécharger sur Internet, où je mettrai les liens en bas. Ensuite, on revient à la question du maître. La question du maître. Ici, donc, comme vous avez vu aussi dans le film, on a Tony qui va mesurer la cuve de Saqqara et ça va nous faire 1000 millimètres. Ok? Donc, 1 mètre pile. Là, c'est mesure au laser. Ensuite, on a à Poumapunku, Patrice Poyard qui va mesurer les pierres en hache, pareil en laser, également 1000 millimètres. Donc, ici, on a vraiment des mesures que on ne peut pas les contester. Il y a une théorie qui dit que. Hop, attendez, je vais. Excusez-moi. Hop. Je ne suis pas trop habitué avec ce logiciel. Voilà. Hop. Donc, on est en Égypte et à Saqqara. Il y a une théorie qui dit que on a mesuré la Terre et puis on a divisé la circonférence de la Terre par 10 millions, par 40 000, pardon. Ok. Donc, et ensuite, on a divisé et puis on a dit que c'est le mètre. Donc, on a divisé par 10 millions et du coup, ça nous a donné le mètre. Donc, ici, donc j'ai un ballon. Okay, donc ça c'est un ballon qu'on va dire c'est bon, hop, c'est ici. Et donc la théorie dit que voilà, avec une corde, hein, donc on imagine que c'est la Terre. Hop. Donc une théorie que on a mesuré la circonférence. Où est-ce qu'il est là? Bon. On a mesuré la circonférence de la Terre. Ok. Et ensuite, on a divisé ça et puis on est tombé sur le mètre. Donc, hop, on est tombé sur le mètre. Ok. Donc, on a divisé ce circonférence pour arriver sur le mètre. Alors, donc ça c'est, voilà, c'est la théorie actuelle. Donc, la circonférence de la Terre, qui fait 40 075 mètres, 40 075 km, donc on a divisé par 40 000 et on est arrivé à trouver le mètre. Donc alors, je vous laisse réfléchir pour ceux qui ne regardent pas le live en direct. Mettez-le en pause et je vous laisse réfléchir que c'est vraiment
insensée, cette théorie-là. Ça ne tient vraiment pas du tout la route. Okay. Mettez-le en pause si vous n'êtes pas en direct, hein, si vous regardez ça demain, mettez-le en pause et réfléchissez où est le problème. Okay. Parce qu'une fois qu'on a mesuré la circonférence, okay, on a découpé en petits morceaux cette circonférence et on a trouvé le mètre. Donc ça, c'est complètement... le raisonnement, il est complètement faux. C'est insensé. Parce que, en fait, je vais expliquer. Parce que si ça, c'est la Terre, où est-ce qu'on trouve un fil, hein, un fil pour mesurer la circonférence de la Terre, okay, pour arriver au mètre? Où est-ce qu'on trouve un fil? Imaginez. Où est-ce qu'on trouve un fil si grand qu'ensuite on va découper? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé une petite unité plus petite, d'accord? Ok. Et ensuite, cette petite unité, ok, bon, hop, je vais le faire ici. Donc, on a pris une petite unité. Ensuite, cette petite unité, hop, on a multiplié comme ça et on a trouvé. Ok? Et on a fait le tour de la circonférence de la Terre. Ça veut dire que dès le départ, on avait déjà établi un étalon de mesure. Dès le départ. Ok? Parce que ça n'a pas de sens. Avec quoi on va mesurer tout d'un coup, avec un seul fil, la circonférence de la Terre, et qu'ensuite on va découper. Mais on a établi un petit étalon, et qu'ensuite on a mesuré la circonférence de la Terre. Ok? Donc, ce que l'histoire dit sur Aristote, etc. Mais bon, on va y revenir une autre fois parce que c'est pas tout à fait ça. L'unité, donc l'unité métrique, ne vient pas de cette théorie-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, pour les sceptiques, pour ceux qui n'y croient pas, toujours pas à la goutte d'eau. Pour ceux qui n'y croient toujours pas à la goutte d'eau, que la goutte d'eau, c'est pas ça, c'est un peu. La goutte d'eau, elle est invariable. C'est vrai, l'eau, c'est la seule chose, quand on voit comme ça, elle est complètement variable. Donc, elle est variable, elle bouge, il n'y a rien qui est stable quand on voit comme ça visuellement. Elle est complètement, ça bouge, comment tu veux mesurer quelque chose qui bouge, tu lâches comme ça, etc. Donc l'eau, à vue comme ça, il est variable, il ne bouge pas. Mais si on fait l'expérience, comme je l'ai dit en fait dans les différentes lives, si on fait l'expérience avec soit le doigt, comme il a fait un collègue Olivier qui est sur la page de Facebook, soit avec le doigt, okay, soit avec le bâton, comme je le démontre dans les différentes lives, là on va tomber sur sur le diamètre qui fait 1 cm. Maintenant, pour ceux qui n'y croient toujours pas à ça, que c'est pas ça, c'est pas possible. La cuve, elle fait 1000 mm. Donc, moi, je vous propose que là, il n'y a pas d'hasard, que les Égyptiens connaissaient le mètre, connaissaient absolument le mètre, et qu'il n'y a aucun hasard. Vous prenez la moitié de ça, donc 500 mm, okay, et vous faites vous-même l'expérience. Faites des traits, vous faites des milliers, des millions de traits, okay, et essayez de mesurer les traits. Si vous allez tomber
par hasard sur cette somme-là, sur 500 mm. Faites pas 1000 mm, mais faites-le 500. Si vous allez tomber sur 500 mm. Parce que là, par exemple, 1000 mm, ça va être long. Hein. Faut faire des traits très longs. Essayez avec des traits petites. Hein. Essayez de faire 500 mm des traits avec un bâton droit. Vous prenez un bâton et faites des traits. Et essayez, faites les mesures après avec le mètre. Hein. Et essayez ça avec des milliers de fois et vous allez voir que vous ne tomberez jamais, jamais, jamais sur 500 mm. Encore pire, 1000 mm. La probabilité, elle est cosmique. Elle est cosmique. Vous ne tomberez jamais, jamais sur 500 ou 1000 mm. Okay? Sauf si vous essayez des 1 sur 50 000 milliards. La probabilité, elle est vraiment cosmique. Donc, que les Égyptiens, ils ont tombé là par hasard, à Saqqara ou à Pumapunku, sur 1000 mm, là, le hasard, ça s'appelle plus du hasard, mais ça s'appelle, voilà, je ne sais pas dire. Il y a aussi une photo de George Wagner qu'il va trouver aussi le maître ici sur l'obélisque à Karnak. Donc voilà, c'est cette petite distance-là qu'il va mesurer, il va trouver le maître ici. Voilà, il n'y a pas de hasard, mais les Égyptiens, ils connaissaient très bien le maître. Ils connaissaient le maître et bien entendu, ils l'ont caché. Ensuite, une question que j'ai lue aussi. En fait, une question, c'est plus une question, c'est un débunk que l'Australie, les découvertes en Australie, c'est des fakes. C'est des fakes, etc. Sauf que les découvertes, en fait, les hiéroglyphes d'Australie, c'est des fakes. Je vais trouver, hop. Hop, deux petits instants que j'ouvre. Ouais, je vais revenir. Où est-ce qu'il est? Bon, je vais passer ici sur la partie tac tac tac. Alors, hop. Donc, je vais. Hop, pardon. Donc ici en Australie, donc on a trouvé le cartouche de Djédefré, le cartouche de Khéops et le cartouche de Snéfrou. Okay. Donc c'est voilà, là c'est le cartouche de Snéfrou. Et ici, on a le cartouche de Khéops et là de Djédefré. Alors, pour trouver où est-ce qu'il est là. Ouais. On dit que pour cette histoire-là, on dit que ces cartouches-là ont été faites par les troupes, par les Australiens, qu'ils étaient. Ça, c'est une photo. Des militaires australiens pendant la Première Guerre mondiale, qu'ils étaient là en Égypte, et de retour, ils ont
Il y a quelqu'un en Faucelles qui l'a gravé, en fait, qui l'a fait ces hiéroglyphes-là. Attendez, hop, je vais fermer un petit peu. Qui l'a. Tac, tac, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Qui l'a. Voilà, là, c'est le cartouche de Khéops. Ça, c'est les hiéroglyphes en Australie. Et donc, c'est un soldat là, ou un bon connaisseur de l'Australie, Australien qui était en Égypte, il vient ici, en fait, de retour en Australie, il va graver toute une histoire, hein, le cartouche de Khéops, le cartouche de Snéfrou, il va graver aussi le cartouche de Djédefrey. Donc là, ici, on a le cartouche de Djédefrey, le fils de Khéops. Et il va inventer toute une histoire d'accidents de bateaux, etc. Sauf ce cartouche-là, donc le cartouche de Djédefrey. Hop, je vais aller un petit peu plus loin. Ce cartouche de Djédefrey, qui soi-disant a été gravé de retour, hein, vers 1920, on a découvert, il n'existait nulle part avant, nulle part ailleurs, il n'existait nulle part ailleurs, écrit de telle manière, ok, avec le soleil errant et les flèches, il n'existait nulle part ailleurs, écrit de telle manière, sauf en 1956, on va le découvrir. Sur la fossée de bateau, sur la fossée de bateau de Khéops, côté sud, on va découvrir ce cartouche-là en 1956. Donc, et il est écrit exactement de la même manière. Donc, la probabilité que cet Australien et falsifié, en fait, et fait ça, et qu'il s'est amusé à faire un cartouche écrit identique, à l'identique comme celui-là, découverte plus tard, en 1956, elle est cosmique. Elle est. Voilà, c'est tout simplement impossible. C'est impossible. C'est impossible qu'il ait eu connaissance que voilà. Parce que oui, on peut écrire ça, mais quand on regarde le cartouche ici, là, découvert par des fouilles archéologiques, c'est des fouilles officielles, hein, en 1956, ben, on retrouve à l'identique. Et ben, auparavant, il n'y avait aucun copie, quoi. Okay? Donc, c'est que cet Australien, il avait vu quelque part écrite comme ça. Mais non, le problème c'est dire que voilà, je vais écrire le cartouche de Djédefrey de telle manière, c'est trop fort, quoi. En fait, c'est improbable, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'il n'existe nulle part, seulement à Gosford, ce cartouche-là, seulement à Gosford et seulement à Gizeh. Voilà. Ensuite, donc, on va regarder un petit peu quelques questions sur les lentilles. Alors, j'ai lu pas mal de commentaires sur les lentilles, c'est pas possible, etc., etc. Donc, je vous propose. Là, j'ai ramené quelques petites choses là. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Ok? Donc, parce que les lentilles, le granit, il va se vitrifier, etc. Je vais y revenir. Donc, on va faire une petite pause de 5 minutes, 5-10 minutes. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Hop. Non, pas de caméra. Excuse-moi. Est-ce que le son il est bon? Alors, pour les lentilles, est-ce que le son il est bon? Fred, si tu peux me dire si le son il est bon, il n'y a pas d'écho. Ok, parfait. Merci Dina. Alors, on va revenir maintenant aux lentilles solaires. Lentilles. Hop, je vais partager l'écran ici. Voilà. Alors, concernant les lentilles. Concernant les lentilles solaires, j'ai vu beaucoup de commentaires que le granit il va se vitrifier, il va une fois chauffé, il va se vitrifier, etc. Donc l'été dernier, ok, donc j'ai fait l'expérience du granit. Donc voilà, ça c'est un morceau de granit que je l'ai pris. C'est un granit comme celui d'Assouan, on trouve partout hein, en France. Hein. C'est un granit rose. Et donc voilà, j'ai coupé quelques morceaux, ok, que je les ai mis. J'ai fait une petite four que je les ai mis et je l'ai essayé de chauffer, voir qu'est-ce que ça donne le granit. Ok, donc je l'ai alimenté, hop, je l'ai alimenté à côté ici. Avec de l'air, parce que pour monter la température, faut bien qu'il y ait de l'air, donc de l'oxygène, et avec du charbon. Okay, j'ai mis le feu, et donc voilà ici au milieu. Ah, pardon, excusez-moi. Donc ici au milieu, c'est le granit. Donc le granit là, il va fondre. En fait, il va se ramollir. Voilà, là c'est le morceau de granit. Donc j'ai mis une tige à l'intérieur. Donc il est bien ramolli au maximum. Ok. Il est ramolli et ça a donné ça. Hop, où est la caméra? Donc voilà. Donc ça a donné ça, c'est le morceau que vous avez vu dans le film, en fait le morceau que vous avez vu fondre, et il est bien, en fait la couleur rose est perdue, la couleur rose est perdue, et à l'intérieur, le granit il est devenu comme une sorte de comme une pierre calcinée, hein, blanche, tout blanche, et il est bien vitrifié. Ok? Donc, vous voyez? Donc, il est bien vitrifié. Alors, je vais revenir là. Il est bien vitrifié parce que hop, excusez-moi. Donc, il a bien vitrifié. Le problème, c'est que le granit, là, il n'a pas fondu. Et pareil, dans diverses expériences, quand on voit le granit, on essaye de la faire fondre, etc. Le granit, on n'a pas atteint le point de fusion que le granit qu'il puisse couler. Okay? Le granit, il est ramolli. Et une fois qu'on le sort, il va se vitrifier. C'est que on n'a pas, j'ai pas réussi à atteindre le point de fusion. Ok? Sauf, par exemple, où est-ce qu'il est à son?
Sauf par exemple ici. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Ici, là, on voit bien que le granit, on a fait comme une sorte de comme si on a sorti à la pelle, comme si on va prendre une coupe de glace et on va extraire le granit comme ça. Alors, là, il y a une autre photo encore plus explicite. Pareil, on est sur le granit d'Assouan. On voit ces pointillés là. Vous voyez, ces pointillés, c'est comme s'il y a du laser. Ça veut dire que le granit. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est, la photo? Voilà, on a pareil à Assouan, on a ce sort de pointillé aussi. Hein, c'est comme si on a fait avec du laser, ce pointillé-là. Ou ici, ok. Ou cette partie-là. Et ici, on voit bien, donc là, on voit très bien les traces qu'on a extrait le granit avec un outil, hein. Le granit, il était tendre comme du beurre. Et ensuite, on va extraire le granit par des morceaux, en fait, par une sorte de pelt, des morceaux de 30 cm. Ici, là, ce trait-là, on voit bien que c'est pas un trait fait avec un outil. Avec un outil qu'on va tailler, mais on voit bien que on a de la température, de très très haute température, qu'il va couper le granit comme ça. Voilà, ici plus haut ici, on voit les fameux pointillés comme du laser. Ça veut dire que ici on a des températures très très élevées qu'on a fait fondu le granit. Ok? Alors, il se peut que là ici, pareil, hein, des traces, c'est comme si le granit, c'est de l'argile, que le granit, il est d'une dureté de 140 à 200 mpa, hein, il est l'un des pierres les plus dures sur Terre. Et là, aujourd'hui, le granit, on va couper avec des scies dentées, etc., avec de l'eau et des machines très sophistiquées. Il se peut que avec la lentille solaire, on a rajouté du carbonate de sodium en plus de l'énergie de la lentille. Et du coup, donc, on a rajouté peut-être du carbonate de sodium ou de la soude caustique. Et peut-être avec cette température, en y rajoutant ça, ça fait fondre le granit. Bien entendu, pour ça, il faut faire l'expérience. Il faut faire vraiment l'expérience. Il faut faire une expérience avec la lentille. Comme on a dit la dernière fois, donc c'est une expérience que ça coûte, y a un budget, ça coûte énormément. En fait, pas énormément, mais ça coûte, faut faire. Et puis il faut qu'il y ait des scientifiques, pour étudier ça, hein. Faut qu'on étudie ça. Mais là, c'est. Là, c'est évident que y a pas c'est pas de traces de silex, c'est pas de traces d'outils durs, mais vraiment le granit a été fondu. Une autre preuve, par exemple, qu'il s'agit bien de hop, qu'il s'agit bien de qu'il s'agit bien de d'une énergie solaire, c'est
On va y revenir sur le granit d'Asson. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ici, là. Ici, on voit que toutes les traces, on voit les traces, en fait, les directions des extractions du granit. Et les extractions du granit, elles sont tous inclinées au sud-est. Vous voyez, là on a l'est et le sud, et toutes les traces des extractions sont inclinées. Okay? Et ces traces-là, en fait ça, cette trace-là correspond à la trajectoire du soleil pendant les 3 mois d'été à Assouan, donc à l'est et sud. Donc le soleil, il va se lever à l'est, okay, pour légèrement ici là, à nord-est, pardon, pour en finir ici. Et donc ça démontre que il y a bien un suivi de la trajectoire du soleil. Donc le travail ça commençait vers 11h, ok, vers 10h30, 11h, et ça terminait vers 15h. Ça terminait vers 15h. Alors, il y a aussi une théorie que, par exemple, que les lentilles, on a trouvé les cuves, ce sort de cuve à Bougourab, qu'il se peut que ces cuves-là, peut-être c'est des lentilles solaires. En fait, c'est des cuves pour faire la moitié de la lentille. Ça, je ne sais pas. Peut-être il faut faire des mesures, mais les lentilles, elles sont, en fait, les moules, elles sont trop petites. Elles sont trop petites. Elles doivent faire un diamètre de 1,50 m. Hein. Elles sont trop petites. Et du coup, j'en vois pas comment elles peuvent être. Comment on peut les assembler des tout petites mini lentilles? Je ne vois pas. J'ai vu ça, en fait, j'ai déjà étudié ça, hein, mais j'ai du mal. Je ne vois pas comment on peut les assembler ces mini lentilles. D'ailleurs, il faut mesurer déjà si on a la circonférence correcte par rapport au pi, quoi, parce que. Pour faire la lentille, il y a bien une règle d'optique pour que la lentille ne soit pas ni trop aplatie ni très large. Donc peut-être, je ne sais pas, faut mesurer ça, faut mesurer. Voilà. Il y a une autre question aussi que j'ai lu énormément, en fait une réflexion plutôt que j'ai lu énormément pour les coffrages, en bois. Dans le film, je dis bien qu'il s'agit, pour le granit, il s'agit des coffrages en argile et pas en bois. Parce que si on coule la lave du granit dans un coffrage en bois, il va prendre feu. Hein. Donc là, peut-être ceux qu'ils écrivent ça, ils n'ont pas bien vu qu'il s'agit de coffrages en argile pour le granit. Et décoffrage en bois pour le béton géopolymère, okay. Voilà. Une autre document aussi très intéressant. Ici, c'est un document de Science et Avenir qui date de 1949. Okay. Et donc là, il parle, donc je mettrai en ligne, il parle de que les prêtres de la Grande Galerie, ils observaient, ils observaient le ciel avec des grandes lentilles. Donc, voilà. Donc, c'est un document de Science Avenir de 1949. Je mettrai le lien en bas.
tac tac 1946 pardon. Et il dit toc toc toc, où est-ce qu'il est? J'essaie de trouver le passage du grand couloir où il dit, je mettrai le PDF en, mais donc là on parle bien du maître étalon, hein. Ok. Des mesures de capacité, hein. Donc on parle bien des mesures de volume. Le couloir observatoire, voilà. Le grand couloir observatoire. Ok. Et donc les prêtres, j'arrive pas à trouver le lien. En fait, le texte, où est-ce qu'il est? Bref, il est, je mettrai le document en ligne, quoi. Où il parle que la grande galerie servait d'observatoire où on avait installé des lentilles solaires pour observer le ciel. Hein. Que les prêtres, ils installaient des lentilles, en fait des lentilles, il parle pas de lentilles solaires, mais des lentilles. Et on observait le ciel pendant, avant que la galerie se ferme, hein, avant que la galerie se ferme en haut. Voilà, concernant cette partie-là. Donc, encore une fois, concernant les lentilles, il faut bien faire une expérience. Hein, il faut bien faire une expérience, mais il y a un budget, ça demande du budget, quoi. Maintenant, des questions. Oui, aussi une réflexion intéressante, pourquoi je ne parle pas des Sumériens? Je me suis penché sur cette question-là, sur les Sumériens. C'est une très très grande civilisation, hein. C'est une très grande histoire. Il y a beaucoup un niveau de le niveau de maths et de géométrie, il est assez élevé. Je n'en parle pas parce que j'ai pas trop étudié cette question-là, en fait, sur les Sumériens. Et il faut, à mon sens, le savoir sumérien est venu de l'Égypte, est devenu de l'Égypte. Parce que là, on a bien des calculs des racines carrées. Hein. On a trouvé des tablettes où on fait des calculs de racines carrées. Le calcul de racines carrées, c'est. Voilà. C'est pas. Alors, il y a différents. En fait, il y a différents systèmes de calcul de racines carrées. Il y a un système géométrique. En géométrie, on peut calculer ça. Et là, calculer de la racine carrée, c'est pas. Ça demande un niveau très élevé de connaissances en maths et géométrie. Et donc, à mon sens, le savoir sumérien est venu de l'Égypte. Est venu de l'Égypte. Mais bon, là, faut faire des études, il faut étudier tout ça de plus près. C'est pour cette raison-là que je ne parle pas trop de sumérien. Donc faut, voilà, faut étudier cette question-là. Aussi, oui, un commentaire. Pourquoi la chaleur à côté de la lentille, elle est énorme? Non, la chaleur, elle n'est pas énorme. Par exemple, ici, donc je mettrai le lien aussi de cette vidéo. La chaleur, regardez ici par exemple, c'est une vidéo de YouTube. Donc le gars, il a, ça doit être de l'aluminium en lave ou du fer en lave. Et donc le gars à côté, il est avec des jeans. Hein. Il est à côté, donc il n'y a pas une énorme chaleur. Hein. La chaleur, elle est juste tout autour. Hein. Donc
C'est pas, on n'est pas dans une fournaise. Hein. Les protections de fournaise, c'est pour se protéger contre les éclats, hein, contre les éclaboussures. Voilà, oui, on peut rester en short à côté de la lave, hein, y a aucun souci là-dessus. Alors, je vais répondre maintenant à quelques questions. Tac, tac, tac. Où sont passées les lentilles de 5 mètres de diamètre? En fait, comme je l'ai dit dans des vidéos sur la chaîne Apprentissage et celle de Nuria, les lentilles, c'est des lentilles en silicate de sodium. Donc, c'est des lentilles qu'elles vont, si on les laisse sous la pluie, elles vont tout de suite à se dissoudre. Okay? Ce n'est pas des lentilles en verre ou en cristal, c'est des lentilles en silicate de soude. Il faut bien protéger contre l'humidité. Dès que ça prend de l'eau, elle commence à se diluer. Hein. Si on laisse au bout de 3-4 jours ou une semaine, ces lentilles-là de 5 mètres, elle va commencer à fondre tout de suite. Hein. Okay, elle va disparaître. Elle va se diluer. Donc oui, pour la cage en bois, j'ai expliqué, ce n'est pas des moules en bois, mais c'est des moules en argile. Il faut bien revoir le film. C'est des moules en argile pour la lave, hein, encore une fois, et des coffrages en bois pour le béton, pour les pierres. Alors, une question. Est-ce que c'est exact que les Égyptiens, après avoir colonisé les continents, sont revenus avec des maladies qui ont provoqué leur disparition? Déjà, ils n'ont pas colonisé les continents. Ils ont, à mon sens, ils ont voyagé. Ils sont installés, par exemple, en Amérique centrale, ils sont installés. Pendant 10 ou 15, pendant je dirais 100 ou 200 ans ou 300 ans, hop, pendant 200, 300 ans, hein, ou 400 ans peut-être, après la disparition, non en fait ils n'ont pas disparu, moi je pense que les Égyptiens ont migré massivement vers l'Inde. Hop, je vais revenir ici. Un petit instant. Allez, je vais partager l'écran. Baisser un petit peu ça. Où est-ce qu'il est? Non, hop. Désolé, hop, mais il faut que je trouve le moment. Voilà. Et donc, ils sont venus à Yucatan, à Mexique et Guatemala. Là, ici, à Yucatan, on observe environ 440 sites, hein, plus de 330 pyramides. Et donc, faut bien imaginer qu'une pyramide, ça ne se construit pas en 2 ans ou 10 ans, quoi. Une pyramide, ça va se construire en 10 ans, par exemple. Mais 300 d'autres, il faut du monde. Hein.
Et donc, à mon sens, ici, là, à Yucatan, je ne sais pas combien ils sont venus, 1 000, 10 000 ou 50 000. Je pense que il y avait du monde, il y avait pas mal de monde, et ensemble, avec la population locale, ils ont construit ces pyramides. Parce que là, on a 330 pyramides, et des temples, et ça se construit pas avec 1 000 personnes, ou 10 000, ou même 50 000. Et on voit bien qu'ici, il y a une sorte d'harmonie avec la population, parce que quand on veut construire, faut pas qu'on soit en guerre, hein. Pas qu'on soit en guerre. Et ici, on a construit avec la population locale, je pense. On a dû passer peut-être 400 ou 500 ans, hein, ensemble. Et je pense que après ce qui s'est passé, j'ai posé deux théories. J'ai posé deux théories. Soit il y a eu une guerre entre la population locale, les Indiens sur place et les Afro-Égyptiens. Quand je dis Afro-Égyptiens, parce que je pense que il n'y avait pas seulement des Égyptiens, mais aussi des Africains du nord de l'Afrique, hein. Parce que je pense que pour venir là, par exemple, ici on est vers Cap-Vert, okay. Pour préparer un tel voyage de 7 000 km, donc d'ici, de l'Espagne jusqu'à Yucatan, on a à peu près 7 500 km. Pour préparer ce genre de voyage, ça se fait pas comme ça, allez, on y va, hein. Il faut bien qu'il y ait une sorte de port de ravitaillement quelque part. Soit au Cap-Vert, soit ici vers l'Espagne ou dans ces régions-là, un port pour bien préparer le voyage. Et du coup, voilà, à mon sens, c'est que voilà, il y avait des Afro-Égyptiens, hein, ils sont partis. Des Égyptiens et des Africains du Nord, peut-être. Une fois arrivé ici à Yucatan, donc dans une ambiance, dans une bonne ambiance, voilà, on va construire ensemble avec la population locale. Après, il se peut que soit il y a eu des guerres entre les Afro-Égyptiens et les Indiens sur place, soit il y a eu un grand cataclysme. Je pense plutôt c'est la deuxième, qui a eu un grand cataclysme ici, parce que tout de suite, en fait, on va trouver, en fait, ces lieux-là, ils vont être abandonnés immédiatement. Ok, on va abandonner. Au bout d'un siècle, selon les archéologues, au bout d'un siècle, Yucatan, toute la péninsule, a été abandonnée. C'est comme s'il s'est passé quelque chose. Les lieux vont être abandonnés, les populations vont s'éparpiller. À mon sens, il y a eu une sorte de tsunami géante qui a balayé la péninsule. Et du coup, voilà, tout s'arrêtait, et ensuite on va descendre plus bas. Je ne pense pas qu'il y a eu des maladies, qu'ils ont des maladies qui ont provoqué leur disparition, mais je pense qu'il y a bien une migration vers l'Inde. Peut-être il y a aussi des théories qu'une partie aussi est revenue de l'Égypte, est revenue vers l'Afrique centrale. Bon, ça c'est des choses, des études à creuser. Mais
Je ne sais pas concernant leur descendant, leur descente vers l'Amérique centrale, vers l'Afrique centrale, mais je pense plutôt qu'ils ont migré massivement vers l'Inde. Et d'où on va voir qu'ils vont sortir des centaines, des milliers de temples en granit, en quartz, en basalte, en Inde. L'Inde, si vous voulez des temples, le plus grande concentration des temples se trouve en Inde. On a des centaines, des milliers de temples en granit. Voilà, concernant le granit fondu qui se vitrifie, hein, ça j'ai déjà montré. Pourquoi ne vous faites pas aider par des vrais spécialistes? Moi, je suis ouverte, hein, j'ai pas fermé la porte à aucun spécialiste, hein, je suis ouverte que les scientifiques viennent me contacter. Voilà, il n'y a pas de fermeture, hein. Que des spécialistes, des chimistes, surtout des chimistes, qu'on puisse réaliser une lentille, qu'on puisse voilà, faire une expérience concernant la lentille. Donc, une autre question, donc la lentille vue comme ça, on dirait elle pèse 50 tonnes. Non, la lentille elle est en silicate de sodium, elle est très 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 légère. Donc cette lentille là de 5 mètres de diamètre, je pense qu'elle doit faire pas plus que 50-100 kilos. Elle est très légère. Donc moi j'ai fait l'essai avec les lentilles, mais c'est une plume, hein. C'est une plume. Après, pourquoi on a laissé les moailles, l'obélisque d'Asson, il est laissé inachevé, je pense pas. En fait, il est laissé inachevé, mais il a dû se passer quelque chose qu'on a abandonné le lieu. Mais concernant les moailles inachevées, les moailles allongées, je ne pense pas que c'est des moailles inachevées. Excusez-moi. Je ne pense pas que c'est des moailles inachevées, je pense plutôt que c'est des moailles qu'il devait rester comme ça avec vue sur le ciel. Mais bon, c'est à étudier, hein. Fémi est-il prêt à relever le défi de faire fondre le granit avec lentilles? S'il a réussi à obtenir du granit, mes amis archéologues, égyptologues, géologues débattront avec lui. Bah, j'ai dit. Oui, je veux bien relever le défi. Le problème, c'est ça coûte. J'ai pas le budget. Ça coûte, je pense, avec les calculs que j'ai faits, on est entre 20 et 30 000 euros. Donc, c'est pas quelque chose. Donc, j'ai pas le budget. Donc, alors. Pourquoi penser à construire des monuments gigantesques afin qu'ils soient visibles et compréhensibles que du ciel? Seraient-ils des tests mathématiques pour prouver notre QI du moment à quelqu'un? Pourquoi? Non, je pense pas que c'est des monuments qui sont faits pour être vus du ciel. Je pense que c'est des monuments et des constructions calquées sur le ciel, mais pas pour être vues sur le ciel. Et c'est donc on a une croyance que le ciel est sacré, etc. Donc on va calquer ces monuments par rapport à cette croyance-là, tout simplement. Par exemple, les trois pyramides, elles ont été positionnées conformes à la constellation d'Orion.
Donc, on a Betelgeuse, Anélam au milieu et Rigel en bas. Et donc, la corrélation, elle est parfaite. Alors, concernant la datation astronomique de la pyramide. Alors, tac. Donc, là, les deux puits. Hop, je vais revenir un petit peu. Hop. Tac, tac. Alors, les deux puits d'aération, qu'on appelle les visées, les puits d'aération, mais en fait, sont des puits de visée de l'étoile de Sirius et de Anélam. Et donc, Sirius, il est visé à 39 degrés et 49 minutes. Donc, c'est pas les degrés. Attendez, je vais. Hop, je sais pas si. Hop, voilà, je vais partager l'écran ici. Hop. Donc, c'est pas des degrés astronomiques, hein, ok, mais c'est des degrés par rapport au niveau du sol. Hein, voilà, c'est le tunnel, il est comme ça. C'est des degrés par rapport au niveau horizontal du sol. Donc, cette configuration, en fait, cette visée-là. Va correspondre au passage de Sirius le 4 décembre autour de 2560 à minuit. Ça, c'est très important, à minuit. Ok? Anélam, il sera le 11 novembre, mais toujours à minuit. Et cet positionnement des visées de Sirius et d'Anélam, elles correspondent à moins 2560 avant Jésus. Avec un logiciel astronomique type Stellarium par exemple, là vous verrez que cette visée des étoiles correspond à cette date-là, plus ou moins 50 ans. Ok? Mais toujours bien sûr, bien entendu, à minuit, hein, parce que le minuit pour eux c'était très significatif pour les Égyptiens, et donc ils savaient, ils ont compris que la datation c'est complètement le calendrier c'est complètement arbitraire. Donc, quand est-ce que la civilisation commençait à moins 40 millions? À moins 2000, donc le calendrier est complètement arbitraire. Hein. On va dire le calendrier, par exemple, comme le calendrier grégorien, on va dire il est la naissance de Jésus, et puis voilà, on continue comme ça. Mais eux, ils savaient que le calendrier, il est complètement arbitraire. Et comment on va dater cette pyramide pour les futures générations? Eh bien, on va dater avec les tunnels là qui vont viser ces deux étoiles là sacrées, Sirius, l'étoile la plus importante pour les Égyptiens, et Anélam qui est le cœur de constellation d'Orient. Et 50 ans plus tard, à minuit, cette configuration ne correspond plus. Okay? Voilà. Comment repérer minuit? Oui, c'est une très bonne question. Alors, le minuit, ça se repère, en fait, ça se repère par rapport au soleil, par rapport aux équinoxes. Ok? C'est tout simple, hein, en fait, tout simple. Il faut faire des projections de projection de l'ombre, par exemple, hop, par exemple, tac, je vais prendre une feuille blanche, non, elle est pas,
C'est un petit peu, je dirais, alors hop, on va prendre ce format-là. Donc, mettons, par exemple, ici, on a, je vais faire un petit démo rapide. Hein. Ici, on a le soleil. Donc, ici, on est en nord, est, sud et ouest. Donc, le soleil, il va se lever ici. Non, ça se voit pas. On va prendre du rouge. Donc, le soleil, il va se lever ici. Et donc, avec un bâton, par exemple, avec un bâton, il va projeter une ombre. Il va projeter une ombre ici. D'accord? Au fil du temps, au fil de la journée, le soleil il va faire cette trajectoire-là. Et ben, l'ombre aussi, elle va faire une trajectoire comme ça. D'accord? Et au fil de l'année, le soleil, il va changer de trajectoire. Ok, tac, tac. Ce qui va nous faire aussi une ombre. Hop. Ce qui va nous faire aussi une ombre. Et donc, du coup, au fur et à mesure de cette trajectoire-là, on va repérer que le jour de l'équinoxe, ils vont repérer le jour de l'équinoxe, l'ombre, elle sera pile à l'est, quoi. Pile à l'est. Et avec le système de la clepsydre, donc on va mesurer le temps. Ok. On va mesurer, là elle est montrée aussi dans le film, avec le clepsydre. Donc le clepsydre, c'est une vase où on va mesurer l'heure et on va graduer la vase avec l'heure qui correspondent. Et du coup, ils vont comprendre aussi que la journée, elle est faite de 24 heures, donc 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit, quoi. Donc pour eux, c'était voilà, c'était quelque chose d'acquis, quoi. Alors, d'autres questions? D'autres questions? A-t-il déjà reconnu publiquement une erreur présente dans le film? Oui, en fait, l'erreur, c'est plus ce qui m'a échappé. Par exemple, quand je dis à un moment donné, quand je dis à un moment donné que l'épreuve pour les lentilles solaires se trouve à Vatican, à Paris, à Londres. Ça, j'aurais dû dire, il se peut qu'il y ait des sources ou du contenu ou des archives dans les archives antiques. J'aurais dû dire une hypothèse, mais voilà, c'est juste une erreur de vocabulaire, hein, c'est tout. Parce que j'en suis jamais, je connais pas du tout les archives de Vatican, ni les archives à Paris. Donc peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Donc ça c'était. Et puis une erreur. Oui, il y a aussi une petite erreur, mais ça aussi pareil, c'est une question à cause de question de vitesse. Que où je dis la coude. À un moment donné, 52 cm et 35 mm. Non. À un moment donné dans la vidéo, dans le film, je dis quand on mesure la coudée, elle fait 52 cm et 36 mm. C'est pas 36, je l'ai corrigé dans le script. La coudée, elle fait 52 cm, 3 mm et 6 dixièmes.
Mais bon, c'est juste une erreur de vitesse. Pour revenir à la coudée royale, parce que c'est une question assez intéressante qui revient, la coudée royale. Alors, la coudée royale, qu'elle est graduée sur le mètre. La coudée royale, qu'elle est graduée sur le mètre. Par exemple, est-ce qu'il est activé? Voilà. Alors, la coudée de Drovetti, elle fait 52,35. Donc 52 cm, ou 523 mm et 5 dixièmes. La coudée de Nisoli, 52,34. La coudée de Raphaël, 52,41. Hop, la coudée de Gilles Dormion, ok, elle fait 52,35. Donc le livre de Gilles Dormion, tout le livre là, ok, il est fait, donc les mesures ont été faites par Gilles Dormion avec la coudée 52,35. Avec la coudée 52,35, la question est pourquoi cette coudée-là, elle fait 52. C'est pas trop la question. Est-ce qu'elle est 35 ou 40 ou 22? Mais ce qu'on remarque bien, c'est que cette coudée-là, bizarrement, elle fait toujours 52. 52, d'accord? 52, tout le temps 52. Ok? Et qu'est-ce que c'est ce 52? Eh bien, ce 52, c'est tout simplement pi divisé par 6. Et ça nous donne la coudée 52, 30, 52, 36. Ok? Donc, ça veut dire qu'ils ont voulu. Et il connaissait pi et la coudée et le système décimal bien avant. Et ça veut dire que voilà, c'est pas du hasard. Okay. C'est pas du hasard, c'est qu'il connaissait bien la coudée. Une autre preuve au raisonnement que les Égyptiens, ils étaient. Pardon, hop, je vais revenir ici. Que les Égyptiens, ils étaient à Coricancha, au Pérou. Par exemple, ici, on va faire pi divisé par 7. Ça va nous donner 44,8. Ok. Ensuite, on va faire un rectangle d'or. Et ensuite, sur ce rectangle d'or, on va diviser encore par 7. Et on va enlever du haut de la niche 2 cm et on va faire les niches à Coricancha. Donc là, on a bien un rectangle d'or. Et ces mesures-là ont été faites par laser, des mesures laser faites par Quentin Leplat. Donc il a mesuré les niches de Coricancha. Tac. Voilà concernant cette question-là. Et il y a aussi un point très important aussi. Donc ce livre-là que j'ai reçu la semaine dernière. Donc j'avais déjà une version en ligne. Mais voilà, j'ai acheté le livre en version papier. Donc c'est le livre de Gart Nordman, voilà, Qubit Connection. Et ce livre de Gart Nordman, ok, donc voilà, lui il a fait des mesures, il a fait des mesures partout dans des monuments, ok. Donc il a fait des mesures.
C'est un, voilà, c'est un must, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, voilà le livre. Qu'est-ce qu'on trouve de Garth Nordman? Alors, on trouve là, ici, là, on est à Chavín, au Pérou, la coudée royale égyptienne. Ok? Donc, il mesure et coudée royale égyptienne. Donc, pour lui, la coudée royale égyptienne, elle est de 32, elle est de 52, 30, 50. Mais bon, peut-être ils sont trompés avec la coudée parce que, en fait, quand on veut construire une maison, on va bien marquer sur les plans 5 mètres. Donc, je veux la maison 5 mètres. Mais, une fois réalisé la maison, on sera jamais, jamais comme dans le papier. On va être 5 mètres et 2 cm ou 4 mètres 95. Jamais, jamais le plan de l'architecte, il sera réalisé comme le plan au final. Donc là, quand l'architecte il vous dit le salon, votre salon, il va faire 8 mètres, donc dans le plan, il a bien marqué 8 mètres 0,0 par 4 mètres. Vous mettez le laser une fois que la maison est construite, vous mettez le laser, vous verrez que le salon il fera 8 mètres, 5 cm. Il sera jamais pile. Et ben, pareil ici, peut-être, voilà, par rapport à la coudée égyptienne ici à Chavín, là, et la construction au final, on s'est trompé de quelques centimètres. Voilà, on est à Chavín là, ici, en Amérique du Sud, et on a la coudée égyptienne. Donc, bien, Garth Nordman, il nous parle aussi d'une sorte de migration précolombienne. Ok. Donc, coudée royale égyptienne partout. Coudée royale égyptienne, donc c'est un livre vraiment extraordinaire. Et bien entendu, en fait, là, Garth Nordman, il nous parle que les bâtisseurs ont construit ça avec du béton. Donc, Limestone Concrete Built, Giza, en 100 before Christ, 2500 before Christ, Limestone Concrete Built. Ça veut dire, en 2500, Giza était construite avec du concrete, ça veut dire béton, avec du béton de calcaire. Donc, voilà une source officielle. Donc, Garth Nordman, un archéologue mondialement connu, lui, il dit que la pyramide est construite avec du béton de calcaire, Limestone Concrete Built. Plus tard, il dit Concrete Built Pyramid at Egypt, in Egypt, Teotihuacan et Mexico. Donc, bah déjà, voilà, il a écrit noir sur blanc que les constructions en Amérique et en Égypte ont été faites avec du béton de calcaire. Voilà, noir sur blanc. Voilà, donc, coudée babylonienne et coudée babylonienne et coudée égyptienne. Voilà, ici dans la fameuse stèle Izapa. Donc ici, là, il a trouvé la coudée égyptienne, 52,5 cm. Okay. Dans la stèle, dans la fameuse stèle. Voilà. Et aussi la coudée, dite coudée babylonienne. La coudée babylonienne, elle fait 49,5 cm, elle est graduée sur le mètre, hein, parce qu'on a des chiffres entiers, mais je pense que ce coudée-là, elle est venue de l'Égypte. Ensuite, euh,
comptez-vous les années? Comptez-vous de réaliser un essai et de fondre et de reconstituer un bloc de granit? Ben, je veux bien, mais j'ai pas de sous. je suis à sec, comment dire, pour dire, voilà, vulgairement, populairement, je ne peux pas. Là, je suis déplumé. Je veux bien faire un essai, mais voilà, faut monter une cagnotte. Déjà, les cagnottes, les donations, ça ne donne pas grand-chose, hein, c'est des miettes. La gagnante que j'ai fait à Litchi, c'est très très difficile. Hein. J'ai pas de soutien, pas de soutien de personne. Hein. Voilà, donc comme on voulait, moi je veux bien. D'ailleurs, j'aurais bien aimé avec des scientifiques qu'on fasse une étude. Ouais, je veux bien faire un essai, mais faut faire de la recherche. La recherche, ça claque direct. Comment t'es venue l'idée de la pierre fondue? L'idée de la pierre fondue, bah, je voyais, en fait, comme ça, hein, je voyais que c'était surtout avec l'obélisque d'Assouan, je disais, mais c'est pas possible, ça c'est qu'on a ramolli. Après, les recherches sur les fontes des matériaux, du silice. Du silice, du quartz, voilà, c'est venu, voilà, comme ça. Je me suis dit, là, c'est du soleil. Après, j'ai tenté, hein, j'ai tenté, je ne sais pas si j'ai une vidéo là, j'ai tenté faire avec des lentilles, des miroirs. Ok, d'ailleurs, j'ai monté. En fait, j'ai commencé un petit. Je vais essayer de trouver la vidéo où j'ai commencé à faire une sorte de parabole. De parabole, mais c'était pas bon. Il y avait trop de perte d'énergie. Une parabole avec des miroirs. Après, il y a aussi la réflexion que comment trouver de l'aluminium. Parce que pour faire un miroir, il vous faut de l'aluminium. Et c'était compliqué, l'aluminium, bon, il faut extraire l'aluminium, donc c'est pas possible, c'était pas ça. Donc en fait, des miroirs, c'est impensable parce qu'il faut pas, on peut pas suivre le soleil avec ça, c'est très compliqué et il y a beaucoup de pertes d'énergie, hein. Et par hasard, en fait, j'ai vu que. Parce qu'en fait, je travaille dans la 3D et je connais très bien les matériaux dans l'image de synthèse. Je connais par exemple l'index de réfraction et de réflexion des matériaux. Je vu en fait un jour, j'avais laissé du silicate de sodium dans un gobelet plastique et j'ai laissé ça. Sur le frigo, c'est un gobelet transparent, hein, par chance. Donc j'ai laissé, j'avais rempli avec du silicate de sodium, et j'ai laissé, j'avais oublié, et du coup ça a commencé à sécher. Parce que c'était du silicate de sodium assez dilué avec de l'eau, hein, 60% de l'eau. L'eau il a évaporé, il a séché, du coup ça, tout au fond de la gobelette, ça a laissé à peu près 100 de silicate. De silicate et du coup je le prends ça je le vois en fait quelques jours plus tard je vois la réfraction très importante réfraction très très importante je regarde je lis un petit peu la réfraction c'était 1,8 donc beaucoup plus supérieur que le cristal et le verre donc je me dis waouh mais qu'est-ce que c'est ça et du coup je vois la déformation. Parce que vous avez une lentille et la lentille, elle va déformer. Hein. C'est un petit peu comme le verre, okay, qu'elle va déformer l'image de rien. Okay. Et je voyais la déformation, il était très important. Et tout de suite, ça m'est revenu l'idée, quand on jouait petite avec
des lentilles, qu'on mettait le feu à une paille, et je me dis, mais c'est ça. Et là, la confirmation, en fait, confirmation, il est venu quand je vois les extractions du granit qui sont tous inclinés à soin. Donc là, je me suis dit, bah oui, incliné par rapport à la trajectoire du soleil, voilà. C'est un parcours. Hein. Alors, oui, il y a une vidéo de Scam, passeur composé, qui est passée concernant le. Je vais essayer de la trouver. Concernant le granit, donc. Concernant le granit fondu. Alors. Je vais. Alors là, l'expérience, elle n'est pas correcte. Si quelqu'un peut me redonner le lien, parce que là, j'ai vu la vidéo, mais. Parce que j'ai vu la vidéo et je ne suis pas. Je suis pas d'accord avec l'expérience. Si je peux reprendre la. Recomposer. Parce que j'ai pas eu le temps de noter la vidéo. Alors il y a une expérience faite avec non c'était pas là. Il y a une expérience faite avec du granit, donc l'expérience elle n'est pas correcte. Tac tac tac, parce que attendez, je vais essayer de la trouver. Toc toc toc. On a. Il y a. Hop. Juste un petit instant. Toc toc toc. Pour le granit fondu, bon, j'arrive pas à trouver la vidéo de passer au composé qu'ils ont fait cette expérience avec le granit. Je le trouve pas. Avec du granit fondu, mais bon. Si je peux avoir les vidéos, ça serait bien. Ensuite. Alors, des rampes de Gizeh. Je pense que c'est pas des rampes, mais c'est juste des passages. Hein. En fait, c'est des comme c'est des passages. Hein, c'est comment explique. Je repose la question. Comment expliques-tu qu'on ait retrouvé des vestiges de rampes sur Gizeh? Je pense qu'on n'a pas, c'est pas des rampes, c'est tout simplement comme pour le temple de la vallée. En fait, c'est un boulevard, hein. C'est une chaussée, comme une chaussée qui relie le temple haut de la pyramide, du temple de Khafre avec le temple de la vallée. Hein, c'est une chaussée comme une sorte de boulevard. Et je ne pense pas que c'est une rampe. Concernant. Pierre fondue, attendez, peut-être je l'ai trouvé. Non, non. Je trouve pas les vidéos. Donc il y a une expérience qui est. Attendez, on va le trouver deux petites minutes. Tac tac. La fameuse vidéo où on voit
un chimiste qui essaie de faire fondre le granit. Tac, tac, tac. Bon. Tac, tac, tac. Bon, j'ai du mal à le trouver. Je pense à tac tac tac. Alors, ouais, je pense j'ai trouvé la femme évidemment. Ouais. Alors, toc toc toc, je partage l'écran. Voilà. Donc, dans cette expérience, on va faire fondre un morceau de granit, avec un chalumeau. Okay. Sauf, voilà, donc, hop, vous pouvez trouver le lien. Sauf, l'expérience, elle n'est pas correcte. L'expérience, elle n'est pas correcte parce que le granit, il a ramolli, ok, mais il n'est pas passé au stade de fusion. C'est-à-dire que le granit coule en lave. Ok, donc le granit, il est pas au stade de fusion comme une lave, mais il a juste ramolli. Donc c'est normal, c'est exactement comme l'expérience, comme mon expérience, que le granit, il a ramolli, okay, il a bien ramolli, mais il n'a pas fondu pour venir au stade de lave. Okay. Moi j'ai obtenu exactement le même résultat, et donc voilà, c'est que le granit, il a vitrifié, et il n'est pas passé au stade de plus haut, c'est-à-dire de devenir comme une lave. Tac tac tac. Donc non, c'est pas une expérience réussie. Tac tac tac. Voilà, concernant, qu'est-ce qu'on peut dire autre chose? Donc, tuk tuk tuk. Voilà. Donc, je pense, j'ai répondu à pas mal de questions. Je regarde s'il y en a d'autres. Avez-vous vu que Gizeh était une colline avant la construction des pyramides? Donc oui, comme je l'ai dit, non, je ne pense pas que c'était une colline avant. Je pense que c'était bien creusé. En fait, c'était une cavité qu'on a remplie et puis qu'on a remplie et qu'on a ajustée pour faire les couloirs descendants. Voilà.
faudrait combien de degrés pour faire un moulin de granit? Ramollir le granit, là, ramollir, on a à peu près 1000 degrés, donc, mais pour le passer en lave, peut-être on a rajouté une autre composante, c'est-à-dire peut-être du silicate, du carbonate sodium, et du coup ça baisse un petit peu la température. Voilà, avec. Et on a réussi à faire fondre vraiment on lave le granit. Mais pour faire fondre comme ça brut, sans d'autres éléments chimiques, sans d'autres rajouts, je pense qu'il faut bien atteindre 1500-1600 degrés. Voilà. Donc. Donc je pense voilà, je pense que on va terminer le live ici. On va terminer le live ce soir. Donc peut-être on fera d'autres pour faire d'autres pour parler d'autres sujets. Oui, dans l'expérience, on est juste au moins 1500. Oui, on est à 1500, mais pareil, le granit, il est pas en lave. Hein. Donc, il a tout simplement chauffé et ramollir. Mais le granit, il est toujours pas en lave ici. Donc, il a simplement chauffé. Ok? Il a ramolli, mais il n'est pas en lave. Il n'a pas coulé, quoi. Voilà. Donc. Alors, ma question concerne, d'après tout. Vos recherches, savez-vous que la réponse sur la construction des pyramides se trouve dans le Coran depuis 1400 ans? Non, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Eh ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis peut-être voilà, je suis en train de peut-être voir pour des conférences et faire des conférences et parler bien des sujets un petit peu plus détaillés. Donc voilà. Encore une autre dernière question. Que penses-tu de la statue inachevée d'Aaçon? Quelle statue? Ça, je ne sais pas. Bon. Eh ben, je vous dis, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à très bientôt et merci d'être là présent pour ce soir. Merci à tous. Bonne soirée.